Kiko tout le monde, Kimoven ici, Sonava Winter. Nous sommes de retour après une longue week-end de la fête de la bière. Et cette petite vidéo, c'est un vidéo de moi qui a fait 100% la blonde, que je ne savais pas, je ne comprenais pas, je ne sais pas pourquoi. La semaine dernière, hors vidéo, j'ai découvert quelque chose. Ça ne s'arrêtait pas de me le dire. Quand tu vas dans campagne. Et quand j'ai monté ici, jusqu'à là et là, ça n'arrêtait pas de dire que vous avez quelque chose dans la boutique de campagne. J'ai passé 20 minutes à essayer de chercher où était cette boutique de campagne sans cliquer sur ouvrir la boutique. Je ne savais pas que toutes les campagnes ont ça. Vraiment, la blonde de chez Blonde, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas pourquoi ça n'arrêtait pas de me le dire. Où est-ce que je vais? Je vais donc presque partout sur le map de Neverwinter et tout. Et c'était juste devant mes yeux en fait. Prout. C'est pas mal, franchement, j'aime bien quoi. Ça, c'est gag quoi, j'adore. Ça fait des mois et des mois que je parle de Neverwinter, que je fais des vidéos sur Neverwinter et j'étais même pas au courant. Comme la preuve que je sais pas tout sur Neverwinter. Ça c'est fait. Bravo Kim. Ouais. Passons. Cette vidéo c'était sur principalement sur les files d'attente et je voulais faire. On va faire celui-ci en premier. Non, le 12. On va pas faire un 12. Hein. Prout. Non, on va faire celui-ci. Et on va voir sur quoi on tombe. A tout de suite. Bon, t'es là-haut. Bravo. Félicitations. Tu veux une médaille? Nous sommes de retour. C'était pas voulu, hein, promis, hein. Je vous promets que c'était pas voulu. Oh my god. Oh non. Je peux pas trop me plaindre, il y a une fois que j'ai fait que les trucs aléatoires, j'ai tombé que sur les... Oh, Dieu des nains, là, ou je sais pas quoi, la zut, là. Really, Neverwinter, vraiment. J'ai pas de bol. Franchement, j'ai pas de bol. Franchement, j'ai vraiment pas de bol. Ah, ça c'est bien pour commencer la vidéo. Hop. On commence sur quelque chose. Donc quoi, j'ai galéré pendant des mois. C'est pas grave. Hé, hey, Oust, va prendre tes autres épées, toi. Allez. Oh, really? Ouais. Bon, bah, comme on dit, ça c'est fait. Vrili, vous êtes tous partis là-bas et personne veut ouvrir les portes? Oh. Or, même encore après autant de mois, les gens n'ont toujours pas compris. Oh, come on. Ouais, c'est comme, j'avais fait aussi comme ça aussi en aléatoire. Et par contre, j'ai tombé sur un super groupe en fait. Qui, en fait, ils avaient amené les mobs ici. On avait fini les épées. Ils ont amené toutes les mobs ici à l'intérieur. Comme ça, on pouvait tous les terminer. On était tous occupés avec les portes. Et le tank gardait toutes les mobs au milieu là et on les one shot d'un coup quoi. Et c'était hyper vite quoi. C'était génial. Oh, c'est toujours une histoire de DPS. Hein. Oh, ouais, c'est pas encore là. Pour savoir qui est la plus grande. Nier. Ah, m'énerve. Y a rien de négatif encore. Non, ils bug pas, alors ça va. Est-ce que Neverwinter a réglé leur bug? Je crois que je vais savoir. Hein, je crois bien que oui. Yay! Merci Neverwinter! Parce que. Ouf. La cour intérieure, la cour intérieure. C'est bon, on a compris. Ouh. En plus, je commence à tomber malade avec ce week-end. Wow, 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 c'était quoi ça? Avec le week-end que je viens de passer, on entend ma voix. Je suis complètement enrhumé, c'est horrible. Enrhumé. C'est horrible. En plus, me lever tôt le matin pour déposer mon fils à l'école dans un état comme je suis. À l'école, on me regarde en disant qu'il...
Vous avez l'air bizarre, madame. Madame? Oui. Ah oui, c'est vrai, je suis encore une madame. Oui, c'est vrai, je suis une madame. Oh, come on! Oh, laissez-moi tranquille, oh, c'est le matin. Oh, tu me fais pouvoir, toi? Hein? Déjà, par contre, est-ce que c'est moi ou depuis le mise à jour, il y a eu un petit couac ces niveaux-là avec le... les pouvoirs? C'est juste une question. Hein. Je me plains pas. Encore. Je te signale, si toi tu meurs là-bas, tant pis pour toi. Hein. Wow. Ah oui, ils font pas un petit mise à jour, je sais pas quoi, Kinti Quanti, qu'est-ce qui. Tout comme ça aujourd'hui? Ah oh bah. Escartez-moi. Pourquoi est-ce que tu pars par là en sachant qu'on va par là, en sachant que tu peux couper? Oh, la sensibilité a changé ou quoi? J'ai rien changé de mes paramètres par contre. Vraiment, c'est moi qui t'attaque. T'as trois personnes sur le dos et c'est moi que tu attaques. Aïe, oh. Tu me donnes mal de mer, toi. J'ai envie de les embêter, mais en même temps, j'ai pas envie de me faire engueuler. Hein. Bah, quoique, on pourra le descendre, le T-Rex. Hein. Il m'a pas vu! Ha-ha! Par contre, il a vu quelqu'un d'autre, je crois. Oh non, non! Oh zut! Ok, là c'était moi. C'est bien moi qui l'ai attaqué! Ah, ça c'est génial. Merci! J'adore! Et qu'au vu que ce n'est pas considéré comme un glitch, je peux l'utiliser. Bah, je fais pas beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave. Il est sur moi, comme ça les autres, ils peuvent l'attaquer plus facilement. On descend. Can't touch us. Doom, 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 doom. Doom, doom, doom. Can't touch us. Ah, j'aime bien quand c'est des petits trucs comme ça qui sont chouettes. Et j'ai faim. Zut. J'ai faim. Et voilà. Yeah. Le coffre, je prends plus ici parce que franchement. Protéden, protéden, protéden. Yeah. Bon, je vais relancer l'aléatoire. Je vous dis à tout de suite. Voilà, celui-là que la dernière fois j'ai passé beaucoup trop de temps à faire. Oh. Mais bon. Donc ici c'est pour vous parler d'un truc de temps en temps je regarde sur YouTube des vidéos et tout comme ça et comme tout le monde. Duh. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc pour le moment donné qui fait un peu le buzz. C'est soit des gens acheter des boîtes mystérieuses sur le dark web. Allez, vous allez vraiment me dire que vous le croyez à tout ça, franchement. Allez. Oh, c'est le buzz ou quoi pour le moment? Il n'y a que ça, ces 2 derniers mois, il n'y a que ça, quoi. Tout le monde achète des soi-disant des trucs sur le dark web. Le dark web, le dark web. Allez, quoi. Et faut pas non plus nous prendre pour des biaises, hein. Tu viens vers moi ou pas, toi? Non, ok. Oui.
suis trop long, mais j'ai pas envie de le tuer. Ok, il est parti. Non, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Et alors, ils inventent soi-disant ces histoires et ce machin. Allez, quoi, oh. Vous allez quand même pas me dire que vous le croyez, au moins. Vous n'êtes pas si naïf que ça. Vous êtes mes abonnés. Vous devez pas être naïf, la preuve. Vous me suivez, quoi que. Vous me suivez. Oh, mais je trouve ça stupide, quoi. Et en plus, c'est le mise en scène des fois de ces trucs, quoi. Come on. Comme si c'était naturel, quoi. Oh, regardez, j'ai acheté quelque chose sur le dark web. Vous savez que c'est illégal, hein, déjà. Montrez votre tête si vous. Si vous prouvez que vous achetez quelque chose sur le dark web. Et vous le mettez sur YouTube, franchement, les flics, ils tapent à ta porte, hein. Parce que c'est légal, hein, d'aller sur le dark web, hein, à la base, hein, je crois. Or, hein. Il faut pas croire à tous ces 50 milliards de youtubeurs là, comme pour le moment donné, ces 2 derniers mois qui fait le buzz là, ouais, j'étais allé acheter quelque chose sur le dark web. C'est mon pote qui est allé acheter sur le dark web. Oui, mais ta tête est sur le vidéo YouTube. Normalement, tu n'as pas le droit d'acheter sur le dark web. Et on l'a tué. Really? Or. Nier. Mais bon, c'est. Et en plus, leur truc, des fois qu'ils reçoivent, je dis, allez, arrête un peu. Je viens de regarder un qui reçoit une. Du lait de coco à boire. Non, j'arrêterai. Ouais, voilà. Un bon de 10 euros par Amazon qui a expiré l'année dernière. Des clés et soi-disant un couteau plein de sang. Rigolo, quoi. Ça se voit que c'est. C'est pas du sang, hein. Vraiment. Bon, il faut faire combien de fois celui-là? Oh, et vous avez même pas. Et le voleur, là, il a pas fini, oui. C'est pas pour être méchante, mais hé, oh, voleur. On n'est pas là pour les tuer, hein. On est obligé de casser les portes. J'ai pas envie de passer 30 minutes à faire celui-ci, hein, les gars. Je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, je sais, au début de cette vidéo, j'étais tout contente, j'étais tout ceci, j'étais tout cela, et machin, et bras, là. Merde. Non, personnellement, je trouve ça gay, quoi. Tu vois ces trucs sur YouTube, des fois, qui font le buzz. C'est. Des fois, ça me tue, en fait. Je me dis, mais les gens, ils croient réellement, quoi. Ils sont là. Ouais, t'as vu un tel a acheté ça sur le dark web. Ouais, bien sûr. Et en plus, un truc aussi, il faut savoir que si quelque chose est vrai ou pas, quand ça vient de trucs de dark web. C'est quoi, soi-disant, quand ils reçoivent les clés USB là, à mettre dans leur PC. C'est vrai que 99% du temps, ces mecs, hein, oh, ouais, j'ai pas encore vu de femme le faire, ils mettent cette USB dans leur propre PC privé. Ça, déjà, c'est non, 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 c'est un fake déjà depuis longtemps. Parce que toute personne le sait qui prend, qui, si maintenant. Il achète ou il reçoit quelque chose du dark web. Il ne faut pas mettre un USB dans votre PC privé. Tout le monde le sait. Tu as un PC portable qui vous a coûté peut-être en seconde main, peut-être 100 euros, et c'est là que vous utilisez. Mais vous allumez pas l'internet ni rien. C'est comme il y en a un là que j'avais vu qui avait carrément dit: Oui, j'éteins mon net, j'éteins l'internet. Comme ça, il peut pas me tracer, ouais. Et il peut peut-être pas te tracer si tu atteins la net, mais et, si maintenant il y a un virus dessus, t'as pas leur biais, hein. Sans arrêter, c'est les petits détails comme ça qu'il faut faire attention avec ces fameuses vidéos qui font les buzz sur YouTube des fois. Et moi, personnellement, c'est un truc. J'ai vu un. Quelqu'un le faire devant moi une fois, aller sur le darknet, c'était un pote où il y a longtemps de ça. Hein, c'était. Je crois que c'était à l'époque de. Où que les PC se démarraient comme si c'était un téléphone un téléphone fixe là, tu vois, ou je sais pas quoi là. Non, je rigole. Mais franchement, il me dit, ouais, je vais te montrer quelque chose de génial et tout. Il va dessus. Ouais. Ça pour ça. Bon, on n'est pas allé été non plus dans les trucs, les fameux trucs horribles, hein, bien sûr. Hein. Non, 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 c'était les trucs de base. Hein. Bon, base.
Des trucs qu'on peut acheter qui sont illégaux, que normalement on peut pas consommer. Des choses, des trucs comme ça, les armes à feu, et des broles comme ça, quoi. Mais sinon, franchement, je vois personnellement si. Je vois pas vraiment. Ça, c'est le côté, bien sûr, c'est le côté interdit de les êtres humains, hein, parce que les êtres humains, ils aiment bien tout ce qui est interdit à la base, hein, c'est pour ça qu'on a fait les lois, hein, mais bon. Franchement, si vous avez aucune utilité, n'y va pas, je le dis tout de suite. Ça sert à rien d'y aller si vous avez pas l'utilité, ça sert à rien de risquer certaines choses, la vie privée, ça sert à rien. Hein. Même si malgré tout, on est tous sur les réseaux sociaux et c'est un peu comme, ah, légèrement, moi personnellement, je trouve que c'est un peu comme le dark web. Parce que là, on le fait et on se sent obligé de temps en temps de marquer notre lieu, marquer où on est et tout comme ça, en sachant que tout le monde peut voir exactement où on se trouve sans aller dans le dark web de nos jours. Alors, mais. Non, comme je dis, quand vous voyez des vidéos comme ça et que vous voyez que le mec met une clé USB dans son PC personnel, c'est même pas un PC protégé correctement et tout, c'est un fake d'office. Oh. Et j'aime bien aussi parce qu'il y en a certains qui disent, oui, ma webcam s'est allumée, j'ai vu la petite lumière toute seule et machin, ouais, mais t'es pas obligé d'aller dans le dark web pour quelqu'un avec ton PC qui a tenu ton PC, hein, et ton webcam de loin. Hein. Oh, tu peux voir quelqu'un très bon en informatique, mais ça arrive de temps en temps à des streamers et des streamers hein, sur Twitch et tout, hein, principalement sur Twitch. J'ai pas encore vu des trucs là sur Mixer. Mais des mecs qui regardent le stream, qui trollent la personne. Hein. Ah ouais, Ninja a quitté le groupe. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On va pas assez vite, peut-être, pour toi? C'est peut-être ça, ouais. Je sais pas, il a dit quelque chose avant. Non, il a rien dit. Mais non, c'est stupide quoi. Et moi j'aime bien tous les trucs un peu mystérieux, un peu glauques comme ça. Tu vois, un grand fan de films d'horreur ici, hein, déjà à la base. Or, le suspense et tout, j'aime bien. Malgré que ces derniers temps, j'ai pas vraiment vu un bon film d'horreur qui me faisait plaisir. Mais non, j'aime bien tous ces genres de trucs quoi. Franchement, j'ai pas encore trouvé une vidéo soi-disant sur le dark web qui m'impressionne encore pour me dire ah, peut-être c'est vrai. Oh, qui est dommage, qui est dommage. Mais bon. Allez, on balance tout. Go, 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 go! Final rank gold! Wow. Mais si, par contre, je prends le coffre. J'aurais peut-être pas dû. Allez, sur ce, bisous, et un grand bisous, bisous, bisous. Je vous aime, bisous, bisous.